Salam salam à toute my perfume family. I hope you are doing well. Aujourd'hui, je porte une couleur qui est censée peut-être vous aider pour le sujet de la découverte olfactive du jour. Bonjour. Et premier indice, c'est un parfum de la maison Kayali. Ça y est, vous commencez à voir. Bon, j'ai pas trouvé la couleur exacte parce que du vert flash, j'en porte pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je viens bien entendu venir vous parler du nouveau Gelato, Yummy Gelato Pistachio by Kayali. Donc, 2023, Monsieur Olivier Crespe, accompagné de son fils Sébastien Crespe, pour cette création. Voilà, donc on est censé sentir le pistachio. Rapidement, juste un petit truc. Mona Katan, je trouve que c'est un amour. J'aime trop cette femme. Donc, que j'aime ses parfums ou pas, le personnage, je l'aime d'amour. Je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment foncièrement gentil. Ça se sent. Alors, certains pourront dire qu'elle est girly girly, ben, I'm a Barbie girl, etc. Très superficielle, comme certains de ses parfums, un petit peu too much, où tu veux tout donner tout de suite. Mais sinon, elle, la personne, je l'aime d'amour. J'aime énormément sa vibe. Elle est vraiment gentille, elle est vraiment douce, elle est vraiment soft. Et je sens que c'est vraiment pas qu'un personnage qu'elle joue. Qu'elle est vraiment comme ça. C'est pas un monstre caché sous une fleur rose. Non, je pense qu'elle est vraiment fleur rose, comme ça dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était une petite parenthèse avant de parler de ces parfums. Alors, concernant ces parfums, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, j'ai vraiment une agréable surprise avec le Déjà Vu, qui est dans ce courant des fleurs blanches, mais avec cette petite touche de gardénia, parfum chaleureux. Je trouvais que c'est un parfum qui était très bien construit. Qui avait sa place pour moi, pas dans les parfums niche, mais dans les parfums designer, mais qui était un parfum adapté matin, midi, soir, voire même pour une occasion, mariage, invitation, etc. J'ai trouvé franchement bien construit, avec un peu cette rondeur et cette chaleur qu'on a dans le Vanilla 28, qui est également un parfum que j'aime beaucoup porter. Et c'est surtout un parfum que j'aime porter quand j'ai un parfum qui est too much vintagey, too much challenging, et que j'ai besoin de moderniser et de le rendre plus facile avec de la vanille. Eh bien, je vais utiliser la vanille Vanilla 28. Bien entendu, on n'est pas dans une vanille réalistique, type vraiment la gousse de vanille qui en réalité est très animale, très noire, très spéciale et un petit peu comme le vanilla, comment est-ce qu'il s'appelle, de Pérusse Monte Carlo? Je ne me rappelle plus. La vanille de Tahiti de Monte Carlo qui lui est très réalistique, mais on est dans une vanille girly, chaleureuse, chocolatée, caramélisée, mais franchement qui est super facile à porter, qui n'est pas compliquée et qui fait très bien son travail. Voilà, ça c'était pour mon avis des Kayali. Alors je dois en découvrir d'autres, on va bientôt découvrir ensemble l'invité en lit. Je sais, je suis en retard, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas tout sentir. Et j'ai pas aimé du tout le Utopia Nan Coco. Oh, écœurant à souhait. Beaucoup too much, en fait. Il y a un manque de subtilité dans certains de ses parfums. Et il y a un manque de personnalité également dans d'autres, comme dans le. Je crois que c'était le noir, qui était l'élixir, je crois. Oh, on dirait que c'était de l'eau. Incroyable. Et voilà. En tout cas, voilà, je suis mitigée. Mais il y a certains parfums que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime pas du tout. Moi, chez Kayali, c'est soit j'aime pas du tout. J'ai pas encore le patchouli d'ailleurs, que j'avais apprécié la première fois, ben, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à le porter. Premièrement, parce que je suis pas très patchouli. Mais alors, quand t'es pas très patchouli et que tu rajoutes ce côté vanillé, caramel, etc., oh, ça peut être hyper redondant, limite migraineux. Et c'est pas pour tout le monde. Mais par contre, si vous aimez et la vanille et le patchouli, Go Check Vanilla Royal, qui je trouve pour le coup porte mal son nom, parce que je trouve que le patchouli il est tellement présent, avec ce côté rhum et tout, que je trouve pas que ça fasse Vanilla Royal, d'après moi, d'après mon nez. Voilà, je leur ai appelé peut-être Patchouli Royal. Et je pense qu'il y a beaucoup qui auraient aimé parce qu'ils aiment le patchouli et qu'ils aiment la vanille. Voilà, ce qui n'est pas mon cas concernant le patchouli. Allez, on commence. Création 2023, comme je vous disais. Et comme ce que j'ai besoin aussi de vous dire, c'est que. Je suis une fan de glace et que mon goût préféré, devinez, c'est la pistache. Exactement. Donc, franchement, je vais être exigeante. Voilà, c'est comme un parfum au chocolat. Si vous êtes une amatrice de chocolat de qualité, de grand cru, eh bien, vous allez être très exigeante. C'est le cas pour la pistache. D'ailleurs, si vous allez un jour en Espagne, plus précisément à Marbella, il faut absolument que vous alliez chez ce artisan, voilà,
confectionneur de glace, qui a une glace à la pistache. Rien que d'y penser, elle est incroyable. Vous savez, la pistache, quand vous la mangez, parce que je suis aussi une fan de la pistache elle-même, en plus de la glace, c'est salé, c'est noiseté, ça a ce côté un petit peu vert, c'est incroyable. C'est la profondeur du goût et le côté fasté, plus le côté salé, c'est incroyable. Eh bien, quand vous mangez cette glace, elle est juste unbelievable, realistic. T'as vraiment l'impression de croquer voilà, une poignée de pistaches avec le côté frais, froid de la glace. Magnifique. Si vous avez aussi l'occasion d'y aller, s'il vous plaît, allez goûter. Petite parenthèse, la glace au pignon. Oh my God, elle est incroyable. Pistache et pignon, ce sont mes préférés à chaque fois que je vais à Marbella. Unbelievable. Je vous incrusterai soit sur l'écran, soit en commentaire. L'adresse de cette crèmerie ou glacerie, je sais pas comment, glacier. Magnifique, très petit, très modeste. Tu as 1 heure de queue, mais quelle glace, inoubliable, incroyable. Alors, une fois que tu as goûté ça, je vais te dire, essaie de manger une autre glace à la pistache, c'est pas possible. Bon, allez, on y va, on attaque. Je l'ai déjà posée ici en départ pour vous donner la retombée. Mais attendez, c'est un petit échantillon. Là, cette fois-ci, j'ai décidé d'essayer toujours échantillon et de pas sauter sur le parfum parce que j'avais pris le patchouli, le vanilla royal en 10 ml. J'arrive pas à le porter en fait. Donc cette fois-ci, je me suis dit, Sister Parfum, tu restes sur un échantillon. Voilà. Donc, on laisse poser. C'est une histoire de famille cette fois-ci pour Monsieur Olivier Crespe, 2023, avec son fils Sébastien Crespe. Il faut savoir que je suis également une fan de beaucoup des parfums de Monsieur Crespe, particulièrement sa collection Acrofragrance. Magnifique. Il y en a certains, comme je crois que c'est lequel, c'est le chocolat, je crois que c'est le dark, le awake. Il y en a vraiment des beaux. Franchement, si vous voulez essayer des parfums incroyables, allez essayer les Acrofragrances. Je viendrai vous faire une vidéo là-dessus. Je vous les présenterai tous un par un, mais il y en a vraiment qui sont magnifiques, que j'ai kiffé. Allez, on y va. Le départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pistachio, ice cream, bergamote, hazelnut, je vous les mets là. Rhum, cardamome, lily of the valley, pivoine, poire, géranium, jasmin, de la pêche blanche, de la framboise, ripe cream, marshmallow, coton candy, lucum, fève de tonka, sandalwood, cèdre et cacao. On a toujours des listes comme ça dans les parfums Kayali. C'est toujours incroyable, mais c'est pas toujours ce qu'on croit. Ok, bah déjà. On s'attend à une sorte d'indigestion olfactive quand on lit tout ça. Mais franchement, voilà, c'est doux, c'est posé. Je sens ce départ de pistache, un petit peu chimique pour être honnête. Mais on dirait une pistache. Bon, vous avez affaire à une fan de pistache. Donc, je suis très exigeante. Et je trouve que ce parfum fait un petit peu désodorisant, saveur pistache, pêche, etc. Il y a beaucoup de mélange, donc on est assez loin de la glace à la pistache que moi je connais. Et pour le coup, déjà quand j'ai lu la liste des ingrédients, j'ai vu qu'il y avait de la poire, de la pêche, de la framboise, je me suis dit, mais comment ils vont faire avec tous ces ingrédients pour rester sur l'objectif du titre qui s'appelle Pistachio Gelato? Eh bien, on n'est pas dessus. On n'est pas sur un pistachio gelato. On est plus sur une glace avec plusieurs fruits, très doux, très soft, mais qui se rencontrent. Et une pincée de pistache au-dessus. Donc déjà, l'objectif de la glace aux pistaches, elle n'est pas respectée. Mais vous pourrez me dire, on peut très bien nous emmener dans une interprétation personnelle de la glace à la pistache ou alors dans quelque chose d'autre. Le souci, c'est que je trouve que les ingrédients ne sont... Cette rencontre d'ingrédients manque énormément d'harmonie. Ça reste soft, donc ce n'est pas du tout importable, ce n'est pas du tout insupportable. Mais il y a un manque de cohérence et je n'arrive pas à lire ce parfum en fait. On n'arrive pas à avoir un texte. En fait, on a comme des mots, mais on n'a pas d'introduction, conclusion, voilà, dissertation. Il y a un manque de lecture du parfum, d'ordre dans le parfum et surtout de cohérence. Je ne comprends pas le message olfactif de ce parfum. Voyez? À chaque fois, on a un message à donner, en plus de l'émotion et de la lecture, mais là. J'ai du mal à avoir une cohérence olfactive, en fait. Vous voyez, à lire le truc. Alors là, ça commence à se poser. Franchement,
quand tu lis les ingrédients, malgré le côté très, très, très hétéroclite du parfum qui part un peu dans tous les sens, comme c'est très soft, on a l'impression qu'il a mis une pincée de ça, une pincée de ça, une pincée de ça, une pincée de ça. Donc, plus ou moins, tu prends pas trop de risques malgré le très grand mélange parce que c'est très soft. Mais, il y a un problème de cohérence et de blending. Que ce soit dans la lecture olfactive ou dans le résultat obtenu, tous les ingrédients, ça se. Alors, vous avez deux types de parfums. Soit vous avez des parfums qui t'emmènent là, 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 sur plein de facettes. Tu es sur ça, 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 ça. Ou soit tu es sur un parfum qui donne ce qu'on appelle un blending, un mélange, qui va être assez linéaire, qui ne va pas trop évoluer. Mais le résultat et le message olfactif, il va être clair, il va être lisible, il va être agréable à porter. Et là, comme ça fait comme des petits flashs très soft, mais ensemble, le nuage de la senteur manque de cohérence. Et moi, ça me le rend pas très lisible, en fait. Mais le gros avantage, c'est qu'il est très soft. T'as cette pistache, mais elle est survolée, en fait. Et quand tu es une amoureuse de la pistache, de la glace à la pistache comme moi, t'as pas ce côté intense. Pourtant, il y a la noisette. T'as pas ce côté noiseté qui va jusqu'au bout. T'as pas ce côté green qui va jusqu'au bout. T'as pas ce côté salé qui va jusqu'au bout. Je pense que s'ils étaient restés sur une glace à la pistache, mais vraiment avec le côté gourmand, sucré, avec sa touche de sel, je pense que ça aurait fait un carton et avec ce côté épais. Alors, effectivement, peut-être pas trop pour le printemps-été. La glace à la pistache, je la verrais plus en hiver. Mais une bonne et vraie glace à la pistache, je trouve que c'est un super projet olfactif. C'est pour ça que je l'ai acheté direct, le sample. Mais je l'ai acheté en sample parce que quand j'ai regardé les ingrédients, j'ai trouvé ça douteux de mettre de la pêche, de la framboise, du jasmin, etc. Et le souci, c'est que la pistache, le côté pistachio et noiseté, ou alors le côté salé, ne sont pas dominants dans le parfum. Donc, il perd son identité, il perd son lien avec son titre. Mais malgré tout, ce que c'est un parfum que je me vois porter, non, c'est pas mon style olfactif, mais voilà, j'ai pas pris de risque. Et il a un côté un petit peu sirop de fruits caramélisé. Tout le monde dit que ça sent la pistache, ça sent la glace à la pistache. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Certains disent que ça sent plus la glace que la pistache. Mais alors, je vous dirais que non plus, pas du tout. Moi, ce que je ressens, c'est une sorte de sirop, un petit peu vanillé. Imaginez-vous le fond d'une barbe à papa. Donc, vous savez, les petits sucres qui restent au fond de la barbe à papa. Imaginez-vous faire un sirop très, très fin, très soft, très délicat. Et là, peut-être, vous savez, les restes du fond de la bassine, de la barbe à papa, peut-être que vous arriverez à obtenir le style. Alors, peut-être qu'il plaît beaucoup parce qu'il est fasté. Il a ce côté girly, ce côté fruité, ce côté floral, ce côté sirop, caramélisé, un petit peu romé. Not my style at all. Not my style at all. C'est vraiment pas mon style. En plus, je trouve qu'il y a comme une certaine prudence qui a été faite dans ce parfum, mais qui est peut-être due au grand nombre de facettes ou d'ingrédients très différents les uns les autres. Donc, pour pas prendre de risques, on le fait de manière très soft. Voilà, comme ça, il n'y a pas vraiment de risque à prendre. Honnêtement, c'est un parfum qui n'a pas de risque. Par contre, le risque, je trouve, ça a été de s'éloigner du projet de la glace saline, pistachio, noisetée, et d'aller vers quelque chose qui soit pleasing people. Que j'ai l'impression que c'est plus un parfum genre t'aimes les fleurs, tu vas t'y retrouver. Quoi? T'aimes la vanille? On est là pour toi. T'aimes quoi d'autre, toi? Ah, t'aimes le côté floral? On t'a. Voilà. C'est plus un parfum qui recherchait à toucher le maximum de gens et qui soit pas trop écœurant, qui reste soft. Voilà. C'est peut-être le projet en vérité qui se cache derrière cette glace aux pistaches qui malheureusement, voilà, ne m'a pas accroché moi parce que peut-être que je suis un peu plus difficile et que, voilà, j'ai une image de la pistache et forcément, si tu me vends du rêve et tu me vends une glace aux pistaches et que tu m'emmènes ailleurs, déjà, il y a une première déception. Mais en plus, si le ailleurs, il n'est pas très, très intéressant olfactivement, voilà. C'est pas top top. Par contre, par exemple, j'imagine que ma fille, elle pourrait peut-être aimer, voilà, quelqu'un de très jeune. Peut-être qu'elle pourra aimer ce côté un petit peu sirop léger. Je vais un petit peu l'analyser une dernière fois avant de vous laisser. Bon, alors, ce que je peux apprécier dans le parfum, après la critique négative, je vais aller sur une critique un peu plus positive. Je trouve que c'est un parfum qui peut être agréable quand tu cherches un parfum
un petit peu girly, siropeux, mais tu veux pas qu'il soit trop imposant. Tu veux qu'il reste soft, délicat, mais toujours cette touche un peu caramélisée, voilà, un petit peu insouciante, désinvolte, mais très, 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 très soft. Franchement, ça peut être pas mal. Parce que, au final, franchement, je le trouve très discret. Maintenant, je vais sentir le dry down. Donc, celui-là, ça fait à peu près une demi-heure. On a ce côté pistachio, mais j'ai plus l'impression, parce que j'aime bien faire des gâteaux. Et à une époque, j'étais tombée dans la passion. Avant la passion des parfums, j'étais dans la passion des gâteaux. Et donc, j'essayais l'extrait de pistache dans certains gâteaux. Et je trouvais déjà que c'était un ingrédient hyper difficile à gérer, comme ingrédient déjà, j'allais dire culinaire, mais également obtenir un extrait de pistache de qualité et que ça fasse pas synthétique et immangeable, c'est très difficile. Eh bien, j'ai un côté très synthétique de la pistache. Bien qu'elle soit discrète et elle survole, j'ai un aspect très très synthétique. Alors ça fait un petit peu genre, imaginez-vous un sirop amande et pistache. Il y a le rhum qui est toujours là. D'ailleurs, dans toutes les dernières créations olfactives, que ce soit dans le Vanilla Royal ou bien dans celui-ci, j'ai l'impression qu'on reste sur du rhum en départ. Moi, j'aime pas personnellement. Ça me donne trop siropeux balsamique. Voilà. Après, le deuxième point positif, au-delà du fait qu'il est facile à porter, etc., même s'il a un côté un petit peu, je trouve, synthétique, désodorisant à la pistache ou aux fruits, le deuxième point, c'est que franchement, ils ont fait un truc très différent. Et ça, moi, je dis bravo. C'est le point vraiment que je veux mettre en avant, c'est qu'ils ont fait quelque chose de différent. Et vous savez, quand on crée des parfums et qu'on reste sur une tendance et qu'on veut toujours plaire bah, aux gens et au premier carton qu'on a fait, eh bien, on a tendance à avoir du mal à sortir de son univers olfactif ou des notes ou de l'univers olfactif qu'on a l'habitude de faire. Eh bien là, pour le coup, il y a vraiment un souhait d'apporter quelque chose de différent. Le souci, c'est que ça manque de personnalité, ça manque de structure et de projection olfactive. Et le titre, bah, je ne trouve pas du tout qu'il colle avec le parfum. Enfin, moi, la glace à la pistache, elle ne sent pas du tout ça. Voilà. Donc, c'est tout pour mon avis sur Pistachio Gelato Yum. Et dites-moi si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu une petite déception. Mais je suis sûre que Kayali va revenir encore avec des cartons. Et je viens bientôt vous parler du invité Andy. On va le unboxer together. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. N'hésitez pas à me dire vos avis de Kayali en général, votre préféré chez Kayali, et bah, si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé pour le Yummy Pistachio. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? À ton avis, comment on finit la vidéo? Tu sais pas? On leur dit à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Inch'Allah, tu as raison. Peace, salam.